Dans cette maison loin du tumulte, Frédéric s'est posé pour faire ce qu'il aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des histoires. À 20 ans, je suis condamné à un demi-siècle de prison, en fait. J'arrive au palais, il n'y a que des gendarmes, il n'y a que ça. Mais il y a une femme avec une petite fille. La femme, elle a vraiment de la colère. C'est un déclic. Et c'est là où je passe vraiment de regret au remords. Et le remords, je vais vivre avec ça toute ma vie. Quand je vois des jeunes aujourd'hui qui sont fascinés par le monde de la prison, mais c'est, je lui dis, au bout de 3 jours, tu vas te rendre compte, c'est tous les jours la même chose. La liberté, c'est pas la même chose. Mais aussi pour mieux comprendre ses parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé son invité à franchir les obstacles et à grandir. Il essaie de s'en sortir par lui-même, au lieu de se laisser aller. C'est pour ça que j'ai toujours une certaine fierté, une certaine admiration pour lui, pour ça. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, Frédéric ignore encore tout des émotions qu'il va vivre ce jour-là. Il va bientôt rencontrer Jean-Marc. Cet homme de 49 ans a passé presque la moitié de sa vie en prison, incarcéré pendant 18 ans pour vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Rongé par le remords et après plusieurs tentatives de suicide, c'est en s'ouvrant aux autres que Jean-Marc finira par enfin donner un sens à sa vie. Une rédemption et un message d'espoir qu'il tient à transmettre aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Qu'est-ce que je vous sers ? Besoin d'un café, un petit thé, quelque chose de chaud ? Un petit café, si c'est possible. Voilà, installez-vous. Merci. Je suis content de vous voir parce que j'ai la sensation que votre histoire aurait pu arriver à n'importe quel d'entre nous. Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux vous demander pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Parce que je viens vraiment d'un endroit qu'on appelle l'ombre. Et je ne pensais pas un jour revenir à la lumière. Vous êtes né deux fois? Je suis né deux fois. Une fois en 1967. Oui. Et une fois à l'âge de 36 ans. Oui. Parce que vous êtes sorti de prison, vous y êtes rentré adolescent, vous y êtes ressorti adulte. Les raisons pour lesquelles vous êtes allé en prison, vous en parlez facilement. Vous avez ôté la vie à deux personnes, deux êtres humains. Et maintenant que vous avez payé, j'ai envie de dire, votre tribut à la justice. La justice, le solde de dette à la justice a été payé, oui. Mais en revanche, je vais faire un abus de langage et dire que vous avez tué des gens, mais c'est surtout, j'ai l'impression que n'importe quel d'entre nous aurait pu être dans cette situation. Tout à fait. Très, très particulier. Et donc, c'est une vie qui pourrait ressembler à une vie sacrifiée. 18 ans en prison, comment ça se vit? Comment on fait pour rester vivant et accepter cet isolement, ce silence? Donc, et j'ai envie de comprendre effectivement comment on passe de l'ombre à la lumière. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Oui. Mais je vous ai demandé de m'envoyer des photos de votre histoire pour savoir qui vous êtes. Je me suis permis d'exposer ces photos dans l'atelier. Oui. Donc je laisse parcourir la maison. D'accord. Et puis on se retrouve dans le salon. Ça vous va? Ça va. Merci à tout beaucoup. Suite. C'est par là. C'est gentil. Birth and then everything was
C'est un choc de revoir ces mélanges de ma naissance, de mon enfance, de mon adolescence, mélangés aux photos du nouvel homme que je pense que je suis devenu depuis ma libération. Il y a certaines photos avant que je bascule de la lumière dans ce monde de violence. Il y a un regard d'insouciance de la jeunesse et après il y a vraiment un autre regard. Et ses yeux disent beaucoup en fait. Ils disent quoi ? J'ai pas été préparé à ce qui m'attendait en fait. Je dis souvent aux jeunes que voilà, moi pendant les 8 premières années de ma vie, tout allait bien, j'avais 2 frères qui étaient mes copains de jeu. Bon, ma petite sœur avait 5 ans de moins que moi, mais on s'en occupait de temps en temps. Et je me souviens de très bons moments avec mon père, ma mère. J'étais très proche de ma mère. Je me souviens de Saint-Nicolas, des crêpes qu'on faisait ensemble, de grands moments. Et du jour au lendemain, on m'a dit, voilà, tu fais ta valise, tu pars avec ta petite sœur. Et tu pars avec ta maman et tu vas découvrir un nouveau papa. Et je pense sincèrement que si on aurait pu m'expliquer, voilà, tu t'en rends pas compte, mais tes parents se disputent. Ils crient, s'insultent. Et pour vous préserver de cette violence, il vaut mieux pendant un certain temps que chacun aille de son côté pour se calmer. Ça, on vous l'a pas dit. Non, non. Vous voyez juste, tu t'en vas. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était une première déchirure chez moi. Ça. Ce garçon, ce petit garçon, qui a 8 ans, c'est juste avant cet événement. Juste avant. Vraiment, juste avant. En fait, il sait pas encore ce qui va lui arriver parce qu'il va découvrir quelque chose. Auquel j'ai pas été préparé, quoi. Si l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait pu lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit ? Ben, je lui dirais aujourd'hui que j'ai 49 ans et j'ai accepté depuis quelques mois maintenant d'essayer de me réconcilier avec lui. Me réconcilier avec lui parce que... Voilà, je me rends quand même bien compte, j'ai fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, beaucoup à ma famille, d'abord aux familles de mes victimes. Mais j'en ai un peu marre de me culpabiliser, de toujours dire pardon, excusez-moi de ce que j'ai fait. Je sais que j'ai ma part de responsabilité, mais je pense que chacun a eu sa part de responsabilité. Et je pense que si moi je l'ai assumé, si j'ai décidé de me reconstruire, je crois qu'ils doivent aussi accepter de le faire. Et c'est qui, ils ? Ben, moi, je vais écrire une lettre à ma maman, mais aussi à mon père et à mon beau-père qui sont décédés, mais elle est encore en vie. Et même, je sais qu'on n'a qu'une maman dans sa vie, ça ne changera pas l'amour que j'ai pour elle. Mais j'ai besoin de lui expliquer qu'elle a sa part de responsabilité. Jean-Marc connaît une enfance heureuse, jusqu'à ses 8 ans. Cette année-là, ses parents divorcent. Lui et sa petite sœur s'installent avec sa mère et son nouveau compagnon. Le bonheur qu'il connaissait alors va soudainement voler en éclats, laissant place à la violence. Dès que je rentre dans ce nouvel appartement où cet homme nous attend, je me souviens que j'ai foncé vers lui tout de suite, en colère. J'ai crié, je l'ai frappé avec mes petits poings. Et lui m'a donné une gifle, en fait. Donc, très rapidement. Il y a eu une cassure aussi avec ma maman. Elle n'a pas pris ma défense ce jour-là. Elle n'a pas pris ma défense. Je pense que ma maman aurait dû partir. J'étais tellement attaché à ma mère qu'elle aurait dit, tu viens de frapper mon gamin, tu sais, la première fois que tu dois aller, on part, on va ailleurs. Et elle aussi recevait des coups. Très, très vite, très, très vite. Et en fait, mon monde a basculé parce que, voilà, les petites voitures de police que j'avais en plastique, les petites voitures de pompiers. Mais tout d'un coup, j'ai vu des vraies voitures de police, j'ai vu des vraies ambulances, j'ai vu... C'est-à-dire qu'il y avait de la violence et de la police ? Oui, bien sûr. Et puis on nous prenait, on nous mettait chez les voisins d'enfance, le temps que ma maman aille à l'hôpital, que mon beau-père était arrêté pendant la nuit. Et puis j'avais ma petite sœur. Moi, j'avais 8 ans, ma petite sœur, elle avait 3 ans. Donc moi, j'étais en droit de la protéger comme un grand frère. Je voulais lui cacher ces images-là. À 8 ans, je le répète parce que c'est fou de l'imaginer, vous écrivez une lettre d'adieu. Oui, et ça, je pense que ça a été la plus grande trahison que ma maman a fait. Parce que le même jour, sans qu'on s'en parle, je ne supporte plus cette violence.
Parce que je vois bien, même que dans les cours de récréation, comme chez moi, le seul langage de communication, c'est d'abord la violence des poings, et on discute après. C'était pas normal. Et donc, je décide de prendre des médicaments. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est que j'étais petit, donc j'ai pris des mauvais médicaments. Je vais m'enfermer dans les toilettes de l'école. J'explique à un petit copain, écoute, je vais partir, je vais mourir. Alors qu'on sait pas ce que c'est la mort, hein. Et lui, il va me balancer au directeur de l'école qui vient frapper à la porte. Mais je prends tous les médicaments et j'écris une lettre. Et j'arrive à l'hôpital, on me fait un lavage d'estomac. Et puis on me dit, écoute, ta maman est aussi à l'hôpital. Elle est chez les adultes, tu vas aller la voir dans sa chambre. Et elle a fait la même chose. Le même jour. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Mais quelques années plus tard, je me suis rendu compte qu'elle m'avait trahi. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'abandon? Mais ça veut dire qu'elle m'aurait laissé tout seul si elle aurait réussi sa tentative de suicide. Mais par la suite, elle n'a plus jamais recommencé. Moi, oui. À quel moment? À 16 ans, quand je sentais bien que je tournais mal, que c'était pas normal d'avoir une jeunesse comme j'avais, de brosser les cours, de toujours m'occuper de ma petite sœur, de voir mes parents que le week-end pour faire la tournée des bistrots, c'était pas normal. Quand vous dites c'est pas normal, c'est votre regard d'adulte ou déjà vous sentez quand vous êtes enfant que c'est pas normal? Bien sûr, je le sens vraiment. Parce qu'on n'a qu'une vie, on n'a pas d'élément de comparaison. Comment voilà, il n'y a pas d'élément de comparaison. Et il n'y a pas d'aide. Attention, hein, attendons-nous bien, plus tard j'expliquerai qu'il y avait de l'aide. C'est moi qui n'ai pas voulu aller vers cette aide-là. Parce que j'étais déjà confronté à une rupture avec moi-même. Une rupture avec moi-même et la seule manière d'exister pour qu'il fasse attention à moi, c'était la violence. Se faire remarquer? Exactement. Je me souviens, vous savez, beaucoup plus tard, quand je me suis rendu compte qu'à 17 ans, j'avais déjà été dans 14 écoles différentes, parce qu'il y avait beaucoup de déménagements successifs, j'ai parfois réussi des années excellentes. Donc je me dis, mais ils vont être fiers de moi. Ils n'en avaient rien à cirer, en fait. Et l'année d'après, j'insultais des professeurs, je faisais exprès de me faire virer des écoles. Ça va. Donc, je ne trouvais pas ma place, en fait. Mais quel regard avaient, finalement, ma mère et mon beau-père sur moi? Ils étaient dans leur monde, dans leur violence, et les enfants étaient à l'abandon, livrés à eux-mêmes. Ils étaient aussi beaucoup dans le travail. Ils rentraient très tard, donc moi, j'allais chercher ma petite sœur à l'école, je lui faisais à manger, je la mettais au lit. Ils rentraient après moi le matin, ils dormaient un peu plus tard, donc je m'occupais. Mais c'était pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'était quoi? Être un enfant. D'être leur enfant. J'avais pas être le père ou la mère de ma petite sœur, de l'amener à l'école. Je voulais juste être son grand frère. Et voilà. J'ai fait des fugues aussi. On me recherchait pas. J'ai fait des tentatives de suicide. J'ai été violent. D'où cette phrase, la violence est le bruit d'une souffrance qui n'est pas entendue. Ça, c'est une phrase de vous? C'est une phrase que j'ai lue d'un aumônier qui m'a sauvé deux fois la vie en prison. Donc je vais retenir cette phrase, c'est quoi? La violence est le bruit d'une souffrance qui n'est pas entendue. À quel moment votre vie va basculer? En fait, après ces tentatives de suicide à 16 ans, je tombe quand même dans le coma, hein, donc on me sauve la vie. Je suis placé dans une cellule psychiatrique pendant 15 jours en observation et l'assistant social et le psychologue qui doivent essayer de comprendre comment ça fait déjà deux fois que j'en arrive à un acte aussi extrême que de vouloir mourir, se lavent un peu les mains, se disent bon, on va le foutre chez son père. Et j'adorais mon père. Le problème, c'est que je ne le voyais pas non plus, il travaillait pendant la nuit. Et comme j'avais des problèmes avec ma belle-mère, je sortais pendant la nuit, ce qui n'était pas normal. Donc j'ai commencé à fréquenter des bandes, à boire dans les cafés jusqu'à 5-6 heures du matin. Et puis, voilà, c'est une échelle de la délinquance. Hein. Vous êtes à l'abandon, de toute façon. Voilà, c'est ça. Jean-Marc fuit le foyer familial de plus en plus souvent. Il traîne dans les rues et fréquente les mauvaises personnes. Conscient que le danger se rapproche, il se présente spontanément à la gendarmerie de la jeunesse, à Bruxelles. C'est un appel à l'aide. Vous venez vous présenter pourquoi à ce moment-là? Vous attendez quoi? Mais parce que je sens que ma vie tourne au vinaigre et que je suis peut-être déjà... Vous sentez vous tirer la sonnette? Tout à fait. C'est une sonnette d'alarme que je tire, c'est un cri. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Donc vous réclamez? Je le réclame, moi, je suis bien conscient que je suis occupé à mal tourner. Je suis dans une bande négative où on me fait jouer un rôle. Et les conneries s'accumulent les unes après les autres. On commence par des petites conneries, on brosse des coups, on commence à... Vous savez, le premier vol que j'ai fait, c'était ma révolte à moi. J'ai été exprès de voler dans le magasin de la librairie de mon beau-père. Et j'ai fait exprès de me faire choper. J'étais content quand il est venu, il avait la honte. Il m'a frappé après, mais j'étais content. Les coups m'ont frappé. De lui faire la honte, c'était votre manière à vous de lutter contre lui. Le 24 novembre 1984, vous faites votre première victime au cours d'un cambriolage qui tourne mal. Vous n'avez que 17 ans.
Qu'est-ce qui se passe ce jour-là exactement? Donc le 24 novembre, Alain et Abdel, qui étaient dans la bande négative où j'étais, qui avaient déjà été volés et qui avaient pas mal d'argent, m'ont dit « Écoute, on a besoin d'être trois. » Pour ? Pour aller cambrioler quelqu'un qu'on a déjà cambriolé 10 fois et ça va bien se passer, il se passera rien. Mais ce jour-là, ben, ça s'est pas bien passé. Pour la 10e fois, ben, le vieux monsieur, il a reconnu un de mes complices qui était déjà venu le voler. Ben, sa réaction, c'était d'abord de prendre son fusil au mur, de pas nous laisser sortir et d'appeler la police. J'ai paniqué. Donc je l'assomme. Nous, on prend la fuite. Mais 4 jours plus tard, on va le retrouver, il va décéder. Et moi, pendant toute la semaine, je vais en parler partout autour de moi. Et donc je suis arrêté le 30 décembre 1984. Et j'entre en prison pour la première fois de ma vie. Vous vous rappelez de cette première fois dans une cellule? Oui. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. À l'époque, c'était encore des seaux, hein, donc il n'y avait pas de WC. C'était, je me souviens du robinet, mais il n'y avait pas des vies en dessous. Il y avait une bassine, de ce lit en fer forgé qu'on pliait contre le mur pendant la journée parce qu'on ne pouvait pas se coucher sur son lit. De cette armoire sans étagère, de ces barreaux surtout placés très haut qu'on pouvait, je ne pouvais même pas atteindre. Vous vous dites quoi à ce moment-là? Wow. Premier jour. On ne se rend pas compte. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce qu'on me met en prison? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça, en fait. Et surtout, je pleure déjà après ma mère. J'espère qu'elle va venir me voir très, très vite, en fait. Parce que là, je me sens totalement abandonné. J'ai peur, en fait. Hein. Et puis, je vois ma mère la première fois à la visite derrière un carreau et je me plains. J'apprendrai plus tard qu'en fait, elle était là depuis 6 heures. Hein. J'apprendrai plus tard qu'elle a eu sa première humiliation par des gardiens qui disaient « Tu viens voir ton déchet ». Elle me dira pas que mon frère et ma sœur n'ont plus été à l'école à cause de moi. Elle me dira pas que les gens la regardent de travers dans la rue, hein, parce qu'on est tellement méchants. Hein, elle a pas bien élevé son fils, c'est devenu un assassin. À ce moment-là, Jean-Marc est incarcéré pendant 6 mois dans une prison pour mineurs. Autour de lui, les éducateurs et les surveillants se montrent attentifs. Pour la première fois, il peut faire confiance à un adulte. Ils m'ont parlé... T'as des richesses, t'as du potentiel. Ok, t'as fait cette chose négative, on ne pourra pas la réparer. On va peut-être essayer de te restaurer, on va t'amener autre chose parce que t'es pas ça. Et tu peux enfin exploiter tout ce que tu possèdes. Et je vous assure, pendant 6 mois, c'est peut-être les 6 plus beaux mois de ma vie que j'ai passé, de vivre en fait comme l'adolescent que j'étais. D'aller au cours le matin, j'étais très doué pour les études, de faire du sport. J'écrivais déjà mon histoire. Donc j'étais à l'atelier, moi je voulais pas faire de la menuiserie. Et le chef d'atelier m'a dit, t'as envie d'écrire? Eh bien, écrit. J'essaie déjà de comprendre à ce moment-là. À 17 ans. Voilà. Donc le juge vous transfère dans une prison pour adultes en attendant votre procès qui aura lieu 2 ans plus tard. Ouais. Première nuit en prison, vous vous rappelez de quoi? Ben écoutez, je suis arrivé, on m'a enfermé dans une cellule très rapidement. Ben, il y a un premier détenu qui m'a dit, tu sais, tu peux sonner, hein, parce que tous les vendredis, on va à la piscine. Hein. Ben non, mais si, si, mais tu dois t'inscrire. Ok, bon, ben j'ai sonné, bon... Ben... Et on me met avec deux braqueurs. Un bizutage. Et on me met avec deux braqueurs. Moi, j'ai 18 ans. Le gars, il a 33 ans. Ils avaient un point commun. Ils s'appelaient tous les deux Michel. Et on dit, il faut trouver sa place. Hein? Et moi, pour trouver ma place, je mange des clous. Je mange 5 clous et je bois de l'alcool camphré. Mais je viens toujours. Là, il commence quand même à paniquer. Donc, il tape à la porte. Un survivant vient. Il dit, non, je peux pas ouvrir. Il est trop dangereux. Je dois appeler le directeur. Le directeur ouvre la porte. La police était là. Et le premier jour, je pars à l'hôpital. Pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir enlever ces 5 clous. Une manière de se faire remarquer. Et puis je reviens. Et quelques mois plus tard, mon papa décède quand je suis en prison. Il décède. Je vais le voir à la morgue dans des conditions hallucinantes. Donc attaché derrière le dos avec des gendarmes, avec des mitraillettes. Je voulais pas aller au cimetière. Mon père était un homme bien. Je voulais pas arriver là avec des menottes, par respect pour lui. Et 2 jours plus tard, je sors au préau et je demande à un détenu de lui échanger des médicaments, des somnifères contre une lame de rasoir. Et ce soir-là, je décide de partir, donc je me coupe dans le bras, je perds un litre de sang et les gardiens ont été prévenus, donc ils ouvrent ma porte et me sauvent la vie. L'adolescent ne supporte pas sa détention. Jean-Marc ne sait pas composer avec ce monde ultra-violent dans lequel il est brutalement plongé. Une solution finit par l'obséder. Donc je fomente une évasion avec un détenu qui s'était déjà évadé de cette prison-là.
Mais le plan est éventré, donc on me transfère dans une prison à Bruxelles, à Forêt, où là je passe 4 mois en isolement avant le procès, bourré de médicaments. Et donc du matin au soir, j'étais dans le gaz. J'ai pas vu passer ces 4 mois-là jusqu'au 17 septembre 1986, où mon procès d'assises s'ouvre. Mais on a encore insouciant. On sait qu'un homme est mort, mais j'ai pas voulu le tuer. Je le répète encore une fois, à la cour, au juré, j'ai pas voulu le tuer. C'est la dernière mauvaise rencontre que je vais faire, c'est cette prison de cour d'assises. Et j'avais dit à mon avocat que si je prenais 15 ans et un jour je m'évaderais, et le procureur ne demandait qu'entre 5 ans et 15 ans, j'étais prêt à accepter ça. Et j'en ai pris 18. Plus que ce que j'avais vécu dehors. C'était la colère. Vous savez, je venais de vivre depuis 2 ans en prison. J'avais déjà compris ce qu'était ce monde-là. C'est toujours la même chose, du béton, des barreaux, des barbelés, le bruit des portes, les cris, les gardiens. C'est toujours la même chose, en fait. Quand je vois des jeunes aujourd'hui qui sont fascinés par le monde de la prison, mais c'est, je lui dis, au bout de 3 jours, tu vas te rendre compte, c'est tous les jours la même chose. La liberté, c'est pas la même chose. Et donc, 5 mois plus tard, je rencontre un jeune qui était avec moi dans ce centre fermé, qui lui est condamné à perpète à 19 ans. Il n'y a pas d'appel en cour d'assises en Belgique. Les parents décident de s'évader. Moi, le but ultime de cette évasion, c'est de me faire abattre dehors. Je ne veux pas mourir en prison. Je ne veux pas mourir en prison. Je veux mourir abattu. Mais vous savez, à partir du moment où vous avez cheminé dans la violence, et ça n'a été que votre mode d'emploi dans votre vie, vous ne pouvez que vous évader de manière violente. À chercher à faire comme Sulak ou d'autres, à faire le mur, à trouver le moyen de partir sans qu'on nous ait vus. Donc c'est une prise d'otage. Et malheureusement, 14 heures plus tard, ça se termine de nouveau avec un drame humain. C'est-à-dire? Ben, on est rentré dans un café au Grand-Duché Luxembourg. Et puis il y a 2 gendarmes qui sont rentrés. On n'était pas armés. Et de nouveau, c'est la 2e fois, on est 3 et... Moi, je dis que j'ai pas ma carte d'identité, donc je pense, moi, à ce moment-là, que je vais être arrêté. Tony, mon copain, dit la même chose, et l'autre, on s'attend absolument pas à sa réaction, et il sort un couteau à grande arrêt, il la met sur la gorge d'un gendarme et il crie « Prenez leurs armes ». C'est le déclic pour moi. Donc je saute sur l'arme du gendarme qui est à côté de moi. Par réflexe. Par réflexe. Il met sa main sur la mienne. Il essaye que je prenne pas son arme et il y a un premier coup de feu qui part. C'est la première fois de ma vie que j'ai une arme à feu en main. Il lève les mains en l'air et je vois dans son regard qu'il se passe quelque chose derrière moi, donc je fais très vite un demi-tour sur moi-même. Et l'autre gendarme, il est en position de tir, il est prêt à m'abattre. Et j'ai peur. Et il y a un second coup de feu qui part et je suis convaincu qu'il me tire dessus. Je sens une flamme, je sens une brûlure. On m'expliquera plus tard, en fait, que j'ai eu une réaction physiologique animale, en fait. Donc, j'étais tellement dans un état de stress intense, en catalepsie, que j'ai pas senti la force, j'ai appuyé 2 fois sur la détente. Et je suis sorti du café, je vois rien. Et puis, on se fait arrêter, évidemment. Et moi, pour moi, quand on me dit que quelqu'un est à l'hôpital, je pense que c'est mon autre complice qui s'est fait tirer dessus. Et c'est seulement le jour d'après que j'apprendrai que le 2e coup de feu, en fait, c'est moi qui ai été tiré. Vous dites, je l'apprends parce qu'aujourd'hui encore, dans votre mémoire, il manque 10 secondes. Oui. Il y a une amnésie de 10 secondes. Mais bon, voilà. Je sais que c'est moi qui ai tiré. C'est moi. C'est personne d'autre. Mais je n'ai pas le sentiment de l'avoir fait. Donc c'est différent de se dire, j'ai tué un homme pour une seconde fois, même dans cet état de panique extrême, que de se dire, on m'a dit que c'était moi. Et j'accepte que ce soit moi. Vous voyez un petit peu la différence. Monsieur. Voilà. Vous allez retourner en prison, en isolement. Ah, oh, là, ça... C'est la prison dans la prison, en fait. Mais pour moi, c'est un cimetière, avant tout. C'est un cimetière où ce ne sont pas des cellules, ce sont des tombeaux individuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est été pensé, l'isolement. C'est amener la personne à être totalement déshumanisée, avec des étapes bien précises. La première année, c'est celle que j'appelle la provocation. C'est 5 fouilles de cellules par jour.
Donc en fait, c'est une espèce de conditionnement à dire maintenant t'es plus rien du tout. Et le premier jour, je suis rentré là, ils m'ont fracassé la tête contre la table, on dit ici tu vas dire un mot et on va te casser. Donc j'accepte. Et puis j'ai une petite radio. Une petite radio ? Ouais. Il y a 3 mois que j'ai pu entendre la voix d'un être humain. Et elles vont sortir d'une petite radio. Mes professeurs d'école seront Macha Béranger, La Nuit, Jacques Pradel avec ses cours de sciences, Ève Ruggieri. Et donc à ce moment-là, c'est votre échappatoire, ce sont ces voix. Mais il ne va pas durer longtemps, en fait. Il ne va pas durer longtemps. J'ai simplement lu la Bible 3 fois, parce que c'est ce livre qu'on pouvait avoir au début de la détention. Et le 14 juillet 1987, je décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Et je prépare une tentative de suicide qui dure 6 heures, parce que en isolement, la première année, vous êtes surveillé toutes les 6 minutes. Et cette nuit, il se passe quelque chose de tout à fait surnaturel et je rate à nouveau cette tentative de suicide. Et je suis en colère contre Dieu. Je suis en colère contre Dieu parce qu'il y a une phrase que j'ai lue en isolement que je n'avais pas compris. Vous pourrez trouver de tout ici sauf de l'aide. Et à partir de ce moment-là, je vais accepter de trouver un ami en moi. Ça, c'est un premier déclic. Le deuxième déclic, c'est le jour du procès. Parce qu'il y a une petite fille qui vient vers vous et qui ne sait pas qui vous êtes. Et cette petite fille, c'est la fille du gendarme. C'est le 5 décembre 1988. Il est 14h. Et j'arrive au palais, il n'y a que des gendarmes, il n'y a que ça. Mais il y a une femme avec une petite fille. J'ai compris parce que la femme, elle a un regard de colère. J'aime pas employer le mot, mais elle a vraiment de la colère. Et elle a lâché la main de sa maman, elle est venue vers moi en souriant. Et sa mère l'a rattrapée brusquement. C'est un déclic. Je sais à ce moment-là que je prends pour la première fois pleinement conscience de ce qui m'arrive, qu'elle va grandir sans son père. Et c'est là où je passe vraiment du regret au remords. Et le remords, je vais vivre avec ça toute ma vie. Jean-Marc est alors condamné à 50 ans de prison. Pourtant, ce n'est pas le verdict qui l'accable, mais ses remords qui lui pèsent lourdement. Il sombre alors dans la drogue, mais va bientôt découvrir que d'autres moyens existent pour se libérer. Ce qui me sauve la vie, c'est l'art et la culture, c'est-à-dire écrire, écouter. Et lire. Et lire. J'ai lu des milliers de livres, je pense. Alors, vous allez lire quelqu'un qui a raconté son histoire, qui est connu sur le plan planétaire, et vous en parlez comme d'un ami, Nelson Mandela, qui lui va passer 27 ans de sa vie en prison. Attention, c'est surtout l'homme qui va écrire son Nelson Mandela, James Gregory, le regard de l'antilope. James Gregory, à la base, du temps de l'apartheid en Afrique du Sud, était un gros raciste. Il est blanc, Nelson Mandela est noir. Il va l'accompagner durant 27 années et va devenir son meilleur ami. En fait, l'être humain ne vient pas criminel au monde. Il devient par la force des choses, l'environnement et les chemins qu'il choisit. Mais chaque être humain a cette part d'humanité. Et Nelson est parvenu à cultiver cette part d'humanité en aimant son ennemi. Ce que vous allez découvrir aussi dans cette cellule, c'est que vous avez été une victime longtemps. Oui. Et vous décidez de ne plus vous voir comme une victime, justement. Le 14 juillet 87, je suis passé au stade de la colère. La colère, c'est quand vous commencez à vous poser plein de questions. Donc, les 3 ans que j'ai passé là, j'étais en colère. Mais une colère positive, qui m'a poussé à me former, à me nourrir. Les livres... Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, dans les livres ? Waouh ! Quand je revois l'histoire de Maximilien Kolb, ce prêtre à Auschwitz qui va donner sa place pour un ouvrier qui ne voulait pas être tué. Quand vous lisez Ahmed Marzouki, qui a vécu pendant 18 ans dans les prisons secrètes du roi Hassan II, ou tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Mais vous dites, mais en fait, mais non, on croit toujours qu'on n'a que son histoire, et on se plaint, et on est là, et comment on va s'en sortir ? Mais si on n'a pas des modèles positifs, des gens qui ont été encore plus bas que terre, et comment est-ce qu'eux ont fait pour revenir, comme disait Nelson, step by step, pas revenir de là où on est tombé, on ne sait pas revenir en arrière. On ne sait pas ce qui va nous arriver. On va quand même essayer de monter la marche. Et si on rate une marche, on redescendra sur la marche précédente. On ne retombera pas au fond d'un trou. Alors on va voir que vous avez découvert l'amour il y a 5 mois. Mais on n'en est pas encore là. Je veux savoir, sur le plan affectif, comment on fait quand on est un être humain et qu'on est en prison. En fait, la seule personne qui est venue me voir en isolement était une visiteuse de prison les 2 dernières années. Elle venait une fois tous les 2 mois dans des conditions extrêmes, hein, parce qu'elle était luxembourgeoise. Donc elle mettait 4 heures pour arriver jusqu'au bloc d'isolement, elle mettait 3 heures pour sortir parce qu'il ne voulait pas qu'elle vienne me voir. Et moi, tout ce que je voulais avec cette femme-là,
c'est de ne pas parler de l'isolement. Qu'elle me raconte la vie en liberté, ce qu'elle faisait dans la vie. Elle faisait du théâtre, elle allait se marier. Elle m'a apporté mon troisième bouquin qui était L'étranger de Camus, aussi un livre qui m'a marqué. Et puis à un moment donné, elle me dit, mais tu n'aurais pas envie d'avoir un petit animal de compagnie? Je dis ouais. Et donc elle m'a apporté une petite perruche. Donc je l'ai récupérée. Et un beau jour, j'ai laissé la cage ouverte. Et je m'étais endormi. Et je me suis réveillé, elle était là sur mon épaule, avec une petite patte comme ça. Quand les oiseaux ont une patte levée, ils sont heureux, en fait. Ils sont bien, ils sont... Et j'avais peur, je me suis dit, waouh. Moi qui étais confronté à un monde de violence, avec des hommes violents, et j'ai un petit truc comme ça, et je me suis dit, ouais, alors... Bah, j'ai mis mon doigt comme ça, elle est montée. Et puis, doucement, bon, la première fois, je l'ai remis vide dans sa cage, j'ai refermé la porte, puis je me suis dit, waouh. J'ai réouvert, et après, je lui ai appris à voler. Et après, je lui ai appris à jouer avec un œuf Kinder, on joue au football, je lui parlais, c'était extraordinaire. Mais quand j'ai quitté l'isolement, comme je travaillais, elle m'en voulait d'avoir été travailler toute la journée, donc elle me faisait une scène de ménage, donc ils ont un cri très strident, les perruches. Elle me rendait fou, je ne supportais plus. Et donc je l'ai mis chez un détenu, il y avait 7 autres perruches. Je lui ai donné en lui disant, chaque fois que je vais au préau, elle vient avec moi. Donc elle sortait avec moi au préau. Et quelle place elle avait au-delà du symbole? Moi, je suis un partisan de l'hypothérapie. D'ailleurs, plus tard, dans une autre prison, je ferai de l'hypothérapie. C'est quoi l'hypothérapie? L'hypothérapie, c'est une manière de canaliser sa violence avec les animaux. Et donc cette perruche-là, du coup? Pour moi, oui. C'était quelque part ma première hypothérapie, en fait. Jean-Marc sort de prison à 36 ans, le 16 septembre 2003, après avoir passé 18 ans derrière les barreaux. Désormais en liberté conditionnelle, il n'a pas d'autre choix que de se reconstruire. Quels sont les souvenirs des premiers instants de liberté? Qui vous attend dehors? Il y a beaucoup de jeunes qui me disent, quelle est la première chose que vous avez fait? J'ai été embrassé un arbre. Bon, ça les fait tous rigoler, mais il n'y a pas d'arbre en prison. C'est la vie, quoi. Tout ça avait disparu de votre vie. Oui, ça n'existait plus. Mais j'ai préparé ma sortie. Et donc, il y a eu ces trois amis, dont deux visiteurs de prison et un ami journaliste. Et je me souviens que... Le soir même, le 16 septembre 2003, quand j'ai ouvert la porte de mon appartement et que mon ami m'a dit « ça y est, c'est définitif maintenant ». Je dis « oui, je vais ouvrir la porte et je vais enfin pouvoir la fermer ». La première fois de ma vie, finalement, j'avais des clés en main. Bon, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal la première année. J'ai eu beaucoup d'angoisse. Parce que les angoisses, c'est que vous vous sentiez finalement à l'extérieur, en liberté, en insécurité. C'était un choc profond, tout d'un coup, d'avoir vécu dans 9 mètres carrés, de me retrouver dans 25 mètres carrés, ce qui était déjà grand pour moi, mais de ne plus avoir aucun contact avec personne, pour voir si j'étais bien là, si je faisais pas une bêtise, ce que j'ai mangé, enfin, ça, c'était dur. Et puis, j'ai dû tout réapprendre. Moi, je suis rentré à 17 ans, j'ai perdu 5 fois ma carte de banque qui était avalée par une machine avant de comprendre. Oh, n'oublie pas de la reprendre, Jean-Marc. Et puis, quand vous avez du courrier en prison, c'était bonne nouvelle. En prison, le courrier, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, mais là, et dehors, sans que des factures. On a envie de défoncer sa boîte aux lettres tous les jours, mais c'est ça la vie. En quoi notre société a changé? D'un point de vue, on va dire, technologique ou matériel, bon, les voitures étaient comme des sapins de Noël. Ça, c'est clair qu'elles roulaient très très vite. Je me souviens, la première fois, la première permission, j'ai eu du mal à traverser au petit bonhomme vert parce que je me dis, je vais jamais avoir le temps, le gars... Non, c'est vrai, je suis resté bloqué. Ça va trop vite, c'est ça en fait. D'où la violence du temps perdu en prison. Le temps tourne 3 fois moins vite, en liberté, il tourne 3 fois plus vite. Expliquez-moi ça. Le temps avance au ralenti. On ne voit pas les mêmes montres. Vous savez, c'est très fort quand je témoigne, mais les gens se disent wow, « vous vous souvenez de dates bien précises de vos 19 ans ?» Je ne l'ai pas encore dit, mais vous avez toutes les dates. Toutes les dates. Tout, toutes les dates. Et je peux savoir le lieu, les gens qui étaient autour de moi. Parce qu'on est en pleine conscience. On est en pleine conscience. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est les magasins. Avant, il y avait des chips au sel, au paprika, au pickles. Maintenant, il y a des tonnes de chips de toutes les couleurs. Alors, ça sent des odeurs aussi. Tu veux dire qu'avant, la consommation n'était pas comme aujourd'hui? Tout à fait. Il y a beaucoup, ouais, beaucoup plus de produits. C'est clair. Et alors, je suis retourné chez ma mère, quoi. Il y avait 4 buildings à l'époque, il y en a une dizaine. Et puis, la multiculturalité, cette mixité de toutes les couleurs. La machine à laver? Ah, ça, c'était le plus beau cadeau, ça. Je pense quoi, que... Non, mais c'est extraordinaire, parce que... Quand je me suis acheté une machine à laver, je vous assure que la première fois qu'on m'expliquait dans le... Il fallait laisser tourner à vide, je l'ai regardé assis sur un tabouret, tourner à vide. J'étais heureux, c'était encore une marche que je venais de franchir. Je commençais vraiment à devenir autonome. C'était extraordinaire.
Jean-Marc découvre ce monde qui l'entoure et qu'il ignore. Il est émerveillé. Pourtant, il va devoir apprivoiser cette société qui a tant changé. J'ai très vite ressenti que les gens étaient beaucoup focalisés sur eux. Avant, je me souviens, on prenait le tram, le bus, le métro, on s'assait à la première place. Moi, je suis marié à la SNCB parce que je ne sais pas conduire. Je sais pourquoi je ne conduis pas encore aujourd'hui. Je ne suis pas prêt psychologiquement. J'aimerais pas qu'un type klaxonne derrière moi et que je me sente obligé de sortir de la voiture pour lui demander s'il ne veut pas rentrer à pied parce qu'il m'a stressé. Donc, je prends beaucoup de... Vous prenez le transport en commun. Voilà. Et donc, avant, vous avez la sensation qu'on se parlait dans le transport en commun. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, vous le voyez, les gens courent, ils veulent avoir une place tout seul en espérant que les trois sièges autour d'eux restent libres. À la rigueur, il y en a même qui font semblant de dormir avant la gare en espérant qu'on vienne pas les déranger parce qu'on a peur de déranger l'autre. Dans la société, ce qui s'est installé pour vous, c'est quoi? L'isolement et la peur? Oui, je pense. On est très centré sur soi-même, nos amis, nos familles. En fait, j'ai eu trois chiffres très forts qui expliquent mon parcours depuis 13 ans. En 13 ans, je vais déménager pour la 9e fois. À 6 reprises, mes propriétaires m'ont vu à la télévision. Ils m'ont appelé. Quoi, vous étiez un ancien détenu, vous ne me l'avez pas dit. Mais si je vous l'aurais dit, vous m'auriez pris. Mais non, ben voilà, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit. En 13 ans, j'ai eu 10 contrats de travail, dont 6 C4. Un C4, c'est quand on vous vire, simplement parce qu'on en a pris que j'ai fait de la prison. Mais le plus beau chiffre pour moi, c'est 10 portes auxquelles j'allais frapper, il y en a 9 qui restaient fermées. C'est là où je me suis dit, mais enfin, j'ai payé ma dette à la société, pourquoi j'ai pas le droit à une seconde chance? J'aurais jamais payé le solde à la société. Mais vous savez ce qui est le plus beau? J'ai toujours trouvé une 10e porte. Et j'ai ici une photo 10 ans plus tard, le 16 septembre 2013, où il y a 40 personnes qui sont autour de moi. J'ai appelé là, cette photo-là, la photo de la 10e porte. La photo de l'humanité, où des gens n'applaudissent pas votre passé. Mais ils m'ont tendu la main pour ce que j'étais aujourd'hui et ils ont accepté de faire un bout de chemin avec moi. C'est pour ça aujourd'hui, je dis à des jeunes, arrête de victimiser. Si tu frappes à ta porte et que tu frappes à trois portes qu'elle reste fermée, mais c'est qu'elle doit rester fermée. Je peux t'assurer par mon expérience de vie, il y aura toujours une 10e porte qui va s'ouvrir. C'est clair. Et donc, quand je vous explique l'histoire du train, vous avez une belle jeune fille, j'en ai eu plein des jeunes filles en face de moi. Vous êtes obligé de la garder là, dans la vitre, alors qu'elle a 30 cm de vous. Presque faire des clins d'œil pour donner votre numéro de portable. Pourquoi pas simplement lui, bonjour, vous allez bien, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Dans un instant, vous allez me présenter des gens importants pour vous qui vont m'aider à comprendre comment on peut tous tirer des enseignements de votre expérience. Et puis on va voir ce que vous en avez fait de cette histoire, comment vous êtes dans la transmission aujourd'hui. Depuis 5 mois, vous connaissez l'amour. J'ai rencontré une personne sur laquelle je me suis entendu dans plein de domaines, que ce soit l'amour, que ce soit surtout son intellect. On est capable de discuter pendant des heures et des heures de plein de sujets. C'est quelqu'un de très intelligent. On a les mêmes centres d'intérêt et ça, je pensais que ça n'allait plus jamais m'arriver. Donc, vous voyez, même encore à 49 ans, quand on ne croit pas à quelque chose, il y a toujours quelque chose qui peut se produire. Au moment, souvent, on s'y attend le moins. Ça, c'est votre message aussi. Et donc, cette personne vous a aidé à aimer l'instant présent. C'est peut-être la première fois dans ma vie que j'aime le moment présent. J'apprends à savoir quand il y a quelque chose qui me frustre, de prendre du temps, d'en discuter, même si c'est un quart d'heure ou une demi-heure plus tard. Et puis après, en fait, j'apprends à m'apaiser, en fait. J'apprends à me découvrir. C'est bizarre de sentir une sensation comme ça à 49 ans. Si on considère que la vie est une somme d'expériences, qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris de l'existence que vous aimez transmettre? Je vous dirais que on en apprend tous les jours. Et parfois, il y a des petites journées qu'on aimerait bien qui se terminent. Et parfois, il y a des belles journées. Et c'est vivre l'instant présent. Vous savez, je vais vous raconter une belle anecdote. Un jour, je jouais un homme debout à Grenoble. Ça, c'est la pièce que vous avez écrite, ouais, à partir de votre histoire. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et j'ai une petite fille, donc c'est à partir de 15 ans. Il y a toujours un débat après. Et tout d'un coup, j'entends une petite voix. Je m'appelle Samira et j'ai 10 ans. Wow, déjà, je prends une claque. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait là? 10 ans, elle vient de voir un truc. Oui, OK, pose ta question. Est-ce que vous êtes heureux? Maman, j'ai jamais posé une question comme ça, moi. Je commence à réfléchir. Des fois, j'ai presque envie, je peux pas te répondre. Je réfléchis et je me dis, je vais employer des mots pour elle. Mais je dis, en fait, c'est comme un appareil photo. On fait une photo d'un moment bien présent, où on est bien avec ses proches, où on fait un pique-nique, où on est bien dans la cour. Et on fait tchic tchic.
Et on les met dans un album, dans son cœur, quoi. Et parfois, quand on sent un peu moins bien, ben, on ouvre à nouveau cet album photo. C'est génial parce que j'ai vu plein de photos de mon passé. Et on s'arrête. C'est un instantané. Il est là. On pourrait redécrire toute la photo, de se dire, ça s'est passé comme ça et je me suis senti bien à ce moment-là. Donc, on a été attentif. Voilà. À toutes ces charges émotionnelles. Exactement. On a été en pleine conscience. Ouais. Et du coup, on est armé de ça. Voilà, c'est ça. Bon, c'est une sacrée leçon de vie. Donc, merci de la partager. Merci pour la confiance. Merci. Je cherchais vos amis. On se retrouve tout de suite. OK? OK. Lorsque les invités de Frédéric, comme Jean-Marc, racontent avec pudeur la profondeur de leur souffrance, ils paraissent s'en sortir facilement. Pourtant, une question s'impose, comment a-t-il fait pour se reconstruire ? C'est pour tenter d'y répondre que Frédéric a voulu aujourd'hui écouter ses plus proches, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de son invité. Des gens comme Jean-Marc, il y en a 1/10 qui s'en sort. Ce sont les statistiques. Si on ne travaille pas à faire revenir ces gens dans la société, ça ne sert strictement à rien. Moi, je crois que dans n'importe quelle situation, quand il y a une volonté de faire quelque chose, on peut s'en tirer. Merci d'être là. Avec plaisir. Alors évidemment, j'ai envie de savoir un petit peu qui sont ces gens, parce que c'est qu'ils sont importants pour vous. Mais je veux juste que vous sachiez qu'on vient de vivre un moment très particulier. Je suis un peu soufflé, en fait. Un peu estomaqué de ce que je viens d'entendre, de cette histoire incroyable. Et la question que je me pose, et j'espère que vous allez m'aider à y répondre, c'est comment nous, j'allais dire, être humain ordinaire, on peut tirer des enseignements de ce parcours qui est hors du commun. C'est un peu ça que vous allez m'aider à comprendre les uns les autres, si vous êtes avec d'accord. Alors dites-moi qui est qui. Bon, on va commencer par les dames. Donc, Alessandra, que je connais depuis 6 ans, et on est associés maintenant. Donc, on va créer ce qu'on appelle une maison 1901. Une association. Voilà, c'est ça. Toujours dans un but pédagogique, c'est-à-dire faire de la prévention et de la sensibilisation déjà dans les écoles primaires, même si pour moi on devrait commencer dans les écoles maternelles. Et on a vraiment une très très belle expertise, puisque c'est une ancienne avocate et qui est maintenant, c'est une journaliste d'investigation. Alors Jean Parfonry, c'est... C'est bien comme vous faites. Alors Jean, vous avez tout dit. Ça fait 10 ans d'amitié. Il a 80 ans et il est aussi actif que moi je le suis. Même beaucoup plus d'ailleurs. Mais c'est un peu l'image du père que je n'ai pas eu. Donc c'est un homme qui m'a beaucoup aidé dans mon travail. Donc, vous êtes sorti de prison. Oui, tout à fait, exactement. Mais qui m'a aussi aidé quand j'avais des moments de galère, financièrement aussi. Donc c'est quelqu'un, quand j'ai un coup de blues ou que j'ai un coup de colère, je peux l'appeler, sans nécessairement qu'il me donne un conseil, mais au moins j'ai évacué ma colère. Et on peut en discuter quelques jours plus tard et je peux écouter ses conseils parce que c'est quand même un grand sage, hein, donc avec son expérience de vie. Voilà. Content de vous rencontrer. Merci. Et à côté de vous, Serge, votre petit frère. Mon petit frère, indirectement à qui j'ai fait du mal, hein, par mon comportement. Mais c'est celui de mes deux frères et de ma petite sœur, celui avec qui je suis vraiment le plus proche. Et depuis 2 ans maintenant, on est vraiment très très proches. Donc il m'a permis de découvrir ses deux derniers enfants, parce qu'il est quand même papa de 4 enfants et il est même grand-père aussi. Et donc on est très très proches et on est tous les deux aussi autour de notre maman. Voilà. Alors Serge, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de 8 ans, effectivement, on a compris qu'il y avait un divorce et donc Jean-Marc a basculé dans la violence de votre maman et de son beau-père. Sauf qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas ensemble, vous êtes allé vivre ailleurs, vivre avec votre père. Vous n'avez pas connu cette violence-là à ce moment-là? Disons, bon, je l'ai connu indirectement quand j'allais chez ma maman, une des premières fois où j'ai rencontré mon beau-père, je veux dire. J'ai été giflé, donc... Vous aussi? quand il a commencé à faire les premières bêtises à l'adolescence, vous êtes à peine plus jeune. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on vous dit? Et comment vous réagissez? Moi, j'étais pas au courant de toutes les bêtises. Les seules bêtises dont j'ai été au courant, c'est quand Jean-Marc est venu habiter chez nous, donc avec mon papa, parce qu'il en avait fait la demande. Et il a fait quelques bêtises, quelques larcins. Et mon papa lui a demandé de retourner, chez maman. Et je pense qu'il l'a regretté par la suite d'avoir renvoyé Jean-Marc dans ce foyer de violence, oui. Mmh. Alors, je sais que vous êtes très proche aujourd'hui. Et si on fait un flashback, au moment où Jean-Marc va, j'ai envie de dire, se retrouver dans des situations qui vont l'amener à ôter la vie, et j'ai dit, c'est un abus de langage, et je pense évidemment aux familles des victimes, mais j'ai le sentiment qu'on aurait pu tous
avoir ce genre d'acte dans ces situations, parce que ce sont des moments de panique. Et comment vous le vivez, vous, quand vous l'apprenez? Quel sentiment vous avez envers lui? Quelle place ça a dans votre vie, quand vous savez que votre frère a tué deux personnes et qu'il est en prison pour ça, au début? Je ne cautionne pas l'acte. J'en ai voulu à Jean-Marc. Mais je n'ai pas appris directement ce qui s'était passé. Surtout pour le premier acte, puisque je vivais encore avec mon père. On m'a juste dit que mon frère avait fait une grosse bêtise et qu'il avait été arrêté par la police, mais ça s'est limité à ça. Donc mon père a voulu avoir un certain tact en ne m'expliquant pas ce qui s'était réellement passé. À la mort de mon père, je suis retourné vivre chez ma mère, avec cette crainte aussi, en sachant ce qui s'y passait. Là, dans une soirée un peu arrosée, ma maman m'a tout déballé crûment. Elle m'a expliqué pourquoi il était en prison, en fait. J'ai pris ça en pleine face de nouveau et j'en ai voulu à Jean-Marc. Et puis, peu de temps après, il y aura l'évasion et ce qui s'en est suivi. Et là, j'en ai voulu à Jean-Marc énormément, puisque 2 jours avant, on avait été lui rendre visite avec mes tantes et il avait promis qu'il ferait plus de bêtises. Et en plus, c'était proche de son anniversaire. Quand vous dites « je lui en veux de quoi, finalement ? De faire souffrir ? Oui, oui, bien sûr. Oui, de faire souffrir la famille, surtout parce que mes tantes étaient assez proches. Elles ont sacrifié pas mal de journées pour aller lui rendre visite, beaucoup plus que moi, d'ailleurs. Donc, Jean-Marc promettant qu'il ferait plus de bêtises et s'évadant 2 jours plus tard, j'y ai pas échappé, j'étais en vacances à ce moment-là. Et il y a eu les journaux, il y a eu le journal télévisé. Donc forcément, j'ai pas pu échapper, j'en ai voulu à Jean-Marc, oui. D'avoir teinté votre vie, ça, finalement. Et qu'est-ce qui fait que ça a changé dans votre esprit? Pendant les 30 mois où il a été isolé, on ne l'a pas vu du tout. J'ai fait 1 ou 2 visites derrière la vitre. J'ai refusé ces visites par la suite. Pourquoi? Je voulais pas, je trouvais ça... J'avais l'impression d'aller visiter... j'avais l'impression d'être dans un zoo sans... Et je préférais avoir un contact humain avec mon frère que d'être derrière cette vitre, à lui parler dans un parlophone. Donc on s'est perdu de vue, je veux dire, pas mal de temps, puisque avant qu'il ait droit aux visites à table, donc on pouvait le voir concrètement, le toucher. Il a fallu un bout de temps. Et je veux dire, ma colère est passée aussi. Et ça se transforme en quoi ? Il y a eu énormément de questions. C'était de savoir pourquoi il avait fait ça. D'ailleurs, à la première visite où j'ai pu lui parler concrètement, toutes ces questions sont ressorties. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait du mal? Donc, intérieurement, j'avais toujours cette colère, j'avais toujours ces questions. Et au fil des années, Jean-Marc m'a donné les réponses. Et voyant qu'il étudiait en prison, il essaie de s'en sortir par lui-même au lieu de se laisser aller... Il a passé pas mal de diplômes, d'ailleurs, en prison. Il a continué à étudier, à penser à son avenir, en sachant même que la réinsertion serait difficile. Donc moi, déjà, j'étais assez fier de lui. Vous êtes passé de la colère à la fierté. Voilà, je suis passé de la colère à la fierté. Parce que moi, c'est toutes des études que je n'ai pas pu faire, en fait. Et que lui, il a passé ce temps à s'instruire et à penser à son avenir. Et ça, c'est... Alors qu'il aurait pu se laisser aller bêtement dans sa cellule, à attendre le jour de la libération. Non, ça n'a pas été Jean-Marc. Et puis il y a eu ce combat pour le centre d'isolement de Stracy. C'est ça, on n'a même pas eu le temps de parler de ça, c'est que vous avez, vous, en étant enfermé, réussi à contacter Amnesty International et à faire fermer un endroit que vous ne considériez pas comme humain. En tout cas, vous n'étiez pas le seul, et donc ça, on va en parler dans un sens, c'est pas rien d'être acteur de sa vie à ce point-là. Mais donc ça aussi, c'est un élément de fierté. Oui, c'est un élément de fierté pour moi. Mm-hmm. Jean-Marc, juste un mot sur ce que vous venez d'entendre, parce que là, on a dû résumer des années de vie en quelques minutes. Comment un être humain si proche de vous peut passer de la colère à la fierté? Mais c'est ça, le drame du mauvais choix que j'ai fait. C'est qu'indirectement, quand on se laisse entraîner, on sait qu'on risque effectivement d'aller faire du mal à quelqu'un, mais on pense absolument pas à ses proches.
Et cette photo-là, avant de basculer dans la violence, mon frère et mon grand frère, c'était mes meilleurs copains de jeu. Avant de basculer dans une famille violente. Exactement. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas violent. Donc de l'entendre aujourd'hui, ben, c'est clair que ça remue beaucoup de choses en moi. Moi, j'ai vécu la prison de l'intérieur, mais je me dis parfois qu'eux ont vécu la prison à l'extérieur. Mais je suis très content de mon frère, et même s'il dit qu'il est fier de moi, moi aussi, je suis fier de lui, de l'avoir retrouvé. Ça se passe pas souvent dans toutes les familles. D'ailleurs, avec mon grand frère, ça ne se passe pas bien pour l'instant. Et on va essayer d'aider d'ailleurs ma petite sœur pour essayer qu'elle se reconstruise aussi. Et... vous savez, je crois que la chose la plus importante qu'attend ma maman, c'est de se dire le jour où elle va partir, qu'on soit tous les quatre à son enterrement. Aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué. Donc moi, comme j'ai toujours essayé de crever l'abcès, ça prend du temps, mais il faut être deux. Si on reste chacun de son côté, ça peut pas aller. Mais on va essayer en tout cas de mettre les choses en place pour qu'on puisse au moins lui offrir ça. Voilà, parce que j'ai quand même fait éclater ma famille, ça c'est clair. Mais chacun d'entre nous a une part de responsabilité là-dedans. Jean, vous faites partie de ces êtres humains qui réparent les autres, qui réparent le monde. Alors, j'ai une première question à vous poser avant de comprendre pourquoi vous vous intéressez à cet homme et pourquoi vous avez choisi de l'aider de manière très concrète. Vous avez une explication? Écoutez, c'est un hasard, une circonstance. Il y a plus de 10 ans, comme disait Jean-Marc, je fais partie d'un service club, donc comme le Rotary, le Lions, moi je suis le Kiwanis. Et un jour, un ami juge en Yvelines, me demande si au niveau du club, nous ne pouvons pas aider quelqu'un qui est sorti de prison, mais sans expliquer. Il me demande, du coup, c'est pas grand-chose, on voudrait lui offrir des rail pass. Les rail pass, ce sont des tickets de chemin de fer, un abonnement, si vous voulez, au chemin de fer, parce qu'il habitait à Liège, et il voulait venir à Bruxelles pour avoir plus facilement certains contacts. Et on a dit oui. On s'est vu une fois, un jour, Jean-Marc, alors on a parlé, m'a expliqué ce qu'il faisait, qu'il allait parler dans les écoles, et avec un de mes fils, à l'époque, on a écouté Jean-Marc dans une école un soir, c'était assez passionnant. Là, il essaie de transmettre son expérience. Voilà, et en transmettre à des jeunes qui étaient tous des caïds quand ils sont arrivés au début de l'entretien. Puis Jean-Marc les a bien calmés et à la fin, ils étaient tout quoi. Et puis on a continué à se voir. Vous aviez la sensation, quand vous l'avez rencontré, qu'il ne faisait confiance à personne? Oui, pas tellement. Je crois qu'on a très vite sympathisé. On n'a jamais beaucoup parlé de ses problèmes. Moi, je n'ai jamais parlé beaucoup des miens. On a échangé, mais sur un plan général, quoi. Alors, comme vous êtes dans la transmission, vous avez besoin que votre expérience serve aux autres. Non seulement vous allez voir des jeunes, mais vous avez écrit une pièce de théâtre que vous avez vous-même jouée, même si des fois vous alternez avec un comédien. Ça s'appelle Un homme debout. C'est très puissant. Je suis impatient que vous veniez la jouer à Paris. Et on va regarder parce qu'une bande-annonce de théâtre, en général, c'est inregardable. C'est la première fois que je vois quelque chose qui donne envie. Sentir ta tête exploser, sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux. Sentir ta moelle épinière qui te remonte au cerveau à force d'être comprimé. Sentir ton cerveau comme un fruit sec. Se sentir sans cesse et inconsciemment et comme électriquement téléguidé. Sentir la cellule bouger. Tu fermes les yeux, tu les ouvres, la cellule elle bouge. Sentir qu'on te vole tes associations d'idées. C'est le grand 8 sans arrêt. C'est la planche à clous de Kafka. C'est comme du courant. On passe de 220 à 110. Il y a des milliers de gens qui se sont déplacés pour voir ça. C'est votre expérience racontée sur une scène de théâtre et vous demandez au public de ne pas vous applaudir. Pourquoi ? Parce que je suis pas une star. Et vous savez, j'ai lu des milliers de bouquins et il y a un auteur anglais qui s'appelle A.J. Lawrence qui dit « Ah, si on pouvait avoir deux vies, la première, on commet des erreurs et la seconde, on va s'en servir. » Je savais que j'allais devenir éducateur en sortant de prison. J'ai fait 3 années d'études et puis j'ai évolué dans mon travail pédagogique
Et un homme debout, c'était simplement pour moi montrer en 1 h 15 19 ans de non-vie et de survie, mais juste 1 h 15, et faire prendre conscience, amener à la réflexion, à ce que des jeunes arrêtent de s'imaginer que c'était prison de break. Et je ne me fais pas applaudir parce que pour moi, c'est du théâtre pédagogique, c'est du théâtre qui pousse à la réflexion. Je viens simplement leur raconter mon histoire, elle est sacrée, comme chacun des spectateurs dans la salle a une histoire sacrée. C'est simplement leur dire qu'on peut très vite basculer. Et les amener à 2 messages concrets. Au fond de mon trou, c'est l'art et la culture qui m'ont permis de m'en sortir. Et surtout le 27 mars 1990, quand j'ai quitté l'isolement pour rejoindre le pays des vivants, c'est que ce jour-là, je n'ai plus jamais arrêté de marcher qu'avec des êtres humains. Et il n'était pas normal que je me fasse applaudir. Aussi bien d'abord par respect pour mes victimes, et puis des personnes comme mon frère, comme d'autres personnes qui ont à souffrir, malgré eux, de ce qui m'est arrivé. Vous ne dites pas les victimes, vous dites mes victimes, à chaque fois. Ouais. C'est dans ce contexte-là que vous vous êtes rencontrés, puisque vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes allé voir la pièce, c'est la première fois que cet homme est rentré dans votre vie. J'avais vu par voie de presse la promotion. Et je faisais moi-même un travail sur l'univers carcéral. Et donc, j'investiguais sur le pourquoi de nos prisons encore aujourd'hui et sur la manière de donner un sens au fait qu'on aille derrière les murs à un moment donné de sa vie. Et donc, on s'est téléphoné. Pour la petite anecdote, la relation a très mal commencé parce que Jean-Marc déteste les journalistes. Donc, il m'a dit si c'est pour faire une phrase d'accroche du style « Le double meurtrier s'essaye au théâtre, j'ai pas besoin de vous voir ». Il est cash, donc. Oui, il est toujours très cash. Ça n'a pas changé. Et puis, j'ai quand même réussi à le convaincre d'avoir une petite demi-heure et on a eu 2 heures d'entretien. Et on a un mot qui nous unit. En tout cas, moi, c'est un de mes mots préférés dans la langue française, c'est le mot résilience. Et, c'est l'idée qu'on peut transformer le pire en quelque chose de lumineux. Mais c'est l'idée qu'on peut, à chaque fois faire d'un événement mauvais quelque chose de positif, qu'on peut renaître de ses cendres, la résilience après un cancer, après une maladie, après la perte de quelqu'un, et aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience post-carcérale. Ce qui m'intéresse, en fait, on a tous une part d'ombre et de lumière, et on peut tous un jour basculer dans l'ombre. Alors ce qui est intéressant, effectivement, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a basculé, mais ce qui m'intéresse surtout dans le travail de Jean-Marc, c'est comment est-ce qu'on peut revenir dans la lumière. Il dit souvent comment rejoindre le pays des vivants quand on a été dans le pays des morts. Souvent, vous savez, on dit qu'on rentre en prison avec un CAP de voleur et qu'on sort avec un doctorat en criminologie. Donc tout le travail qu'on fait justement ensemble, c'est de faire comprendre à notre société qui a peur de la prison parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, que c'est en aidant les détenus à rejoindre le troupeau, à rejoindre le pays des vivants, qu'on fait aussi un travail positif pour la société civile à protéger. Et puis, comme il disait tout à l'heure, il y a aussi tous les dommages collatéraux. Les familles, les enfants, tous ces gens sont quelque part emprisonnés de par la peine du papa ou du frère qui est en prison. Et c'est pour ça que vous travaillez ensemble aujourd'hui, dans ce sens-là. Qu'est-ce que l'expérience si particulière de Jean-Marc peut tous nous apprendre? C'est quoi les clés, finalement? Vous savez, des gens comme Jean-Marc, il y en a 1 sur 10 qui s'en sort. Ce sont les statistiques. D'autres statistiques disent aussi qu'après 3 ans de prison, la prison n'a plus de sens. Des psychiatres ont fait des rapports sur la chose, on développe des tics, des tocs, des pathologies. Donc si on ne travaille pas à faire revenir ces gens dans la société, ça ne sert strictement à rien. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre du parcours de Jean-Marc ? C'est d'abord à ne pas juger. J'ai été voir un jour en prison un médecin de campagne, qui un jour, de manière tout à fait inopinée, comme ça peut nous arriver à tous, a repris son véhicule après une petite soirée arrosée. Il avait 3 km à faire jusqu'à son domicile. Il percute quelque chose. Il rentre à la maison, il pensait que c'était un gibier qui traversait la route. Du sang, des cheveux sur le pare-brise. Il appelle la police, on refait le chemin en sens inverse. Et il avait percuté 2 gamins de 12 et 14 ans qu'on a retrouvés dans les champs, décédés. Il a pris 5 ans, sa femme l'a quitté, il a été radié de l'ordre des médecins. Il s'est fait abuser et violer dans les douches en prison. Donc cet homme était détruit. Médecin de famille, bourgeois, de bonne famille. Donc ça peut nous arriver à tous, la prison. Et c'est un petit peu le message que Jean-Marc fait passer. On est là, on purge une peine, mais la société n'a pas à punir 2 fois. Donc on aurait raison de s'y intéresser, en tout cas. Voilà. C'est pas, il n'y a pas 2 mondes séparés. On parle des mêmes personnes, des mêmes êtres humains. Ouais. Jean, qu'est-ce que l'expérience si particulière de Jean-Marc peut nous apprendre de l'existence? Quelles sont les clés, les enseignements qu'on peut tirer pour vous? Moi, je crois que dans n'importe quelle situation, quand il y a une volonté de faire quelque chose, on peut s'en tirer.
Et pour moi, Jean-Marc est un exemple merveilleux. Parce que quand on voit ce qu'il a vécu et quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, quand vous voyez ces jeunes qui arrivent en chahutant comme tous les jeunes, et puis à un moment donné, ils se calment, ils écoutent. Et vous voyez, il y a une attention. Et là, on sent que le message passe. Et ça m'a... La première fois que j'ai vu ça, je me souviens toujours à cette école à Saint-Gilles, qui est une école dans le milieu très populaire. Il y avait du chahut en entrant. Les professeurs ne savaient pas calmer les jeunes. Et puis Jean-Marc a commencé à parler. Et puis là, tout, à la fin, il posait des questions. Ça, c'est un rayonnement. Et je trouve ça merveilleux. C'est ça que j'admire. Donc il nous dit que c'est possible. C'est la même question, Serge. C'est votre frère. Qu'est-ce que son expérience si particulière, vous qui avez été en colère et qui avez de l'admiration et qui avez de la fierté aujourd'hui, qu'est-ce que son expérience nous dit de l'existence? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous dit de l'existence que malgré qu'il ait fait de mauvaises choses dans sa vie, il les utilise à bon escient maintenant, même si c'est pas tous les jours facile pour lui. Ça, je le sais. Puisqu'il replonge chaque fois dans ses années. C'est-à-dire que sur scène, il rejoue ses scènes. Il rejoue, en fait, son parcours carcéral, le temps de la pièce, tous les soirs. Et psychologiquement, je sais que ça ne va pas être facile pour lui. Et savoir qu'il aide les jeunes avec ça, que même s'il en sort 1 sur 10, qui prend son message positivement et qu'il l'utilise dans sa vie, et savoir qu'il s'en sort grâce à Jean-Marc, c'est énorme. Pour moi, c'est... Oui. Donc c'est pour ça que j'ai toujours une certaine fierté, une certaine admiration pour lui, pour ça. Jean-Marc, je vais vous présenter dans un instant des gens très importants pour moi. Juste un petit mot sur tout ça. J'ai vraiment envie de dire que Jean, c'est vraiment un passeur d'humanité. J'ai rencontré des passeurs d'humanité qui transcendent d'autres personnes, en fait, on donne. Et je pense que je fais exactement la même chose dans mon travail avec Alexandra. On transmet des choses et ceux qui les reçoivent peuvent les transmettre à d'autres. En fait, on essaye de vivre dans un monde d'humains. Et malheureusement, nous sommes en décalage total avec les générations de jeunes aujourd'hui qui sont dans un monde technologique. Il faut revenir à l'essentiel, à la parole, à la rencontre. Avec les gens qui sont là autour de moi et qui comptent beaucoup dans mon cœur, j'ai juste envie de dire cette belle phrase de Newton. Les hommes construisent trop de murs. Et nous essayons chacun notre manière de vouloir construire des ponts. Et c'était l'histoire de James Gregory et Nelson Mandela, construire des ponts. Après une phrase comme ça, je ne peux plus rien dire. Pourtant, il faut que je vous présente mes amis. Donc, construire des ponts, c'est exactement leur obsession. Vous savez que je vais recevoir ici des gens qui sont importants pour moi et qui sont obsédés par la question du lien dans notre société, qui évidemment a besoin de plus de solidarité. Je crois qu'il n'y a pas de débat sur ce point. Et justement, les voici. Anaïs, Luc, Brigitte, je vous laisse vous installer rapidement. Bonjour. Je suis impatient. Alors, je vous présente mes camarades dans un instant. Alors, on parle finalement de quelque chose qui vous ressemble. Vous avez transformé la tragédie en quelque chose de lumineux. Vous n'avez pas accepté la fatalité qui ressemble à votre vie. Et eux sont un peu sur le même mode, puisqu'ils parlent du principe que cette société dont on dit qu'elle est en crise peut s'en remettre. Il y a une résilience aussi pour la société. Donc, ils sont à l'affût de toutes les initiatives positives, les choses qui donnent de l'espoir et qui sont contagieuses. Donc, Anaïs, j'adore ses yeux, j'adore son regard. J'adore dire qu'elle est documentariste. Et elle pose son regard régulièrement sur des choses qui nous touchent et qui donnent effectivement de l'espoir. Et on va parler de quoi aujourd'hui, Anaïs ? Alors moi, je vais vous parler des quartiers nord de Marseille. Parce que quand on est un jeune issu de ces quartiers difficiles, déshérités, il n'est pas simple d'échapper à un certain déterminisme social. Mais il existe un lieu atypique, un lieu de verdure, un lieu champêtre, au cœur de ces quartiers. Et oui, ça existe. Et qui propose à ces jeunes de découvrir un métier auquel ils n'auraient jamais pensé. Et vous allez voir, c'est très étonnant. Bon, ça vous donne envie ou pas ? Oui. Ah oui. C'était le but, c'est que ça vous donne envie. Moi, oui, ça me donne envie. On est tout à fait dans le sujet, donc oui. Voilà. Luc, mon camarade Luc, encore une fois, est obsédé par la question du lien, de tout ce qui apporte de la convivialité, de la chaleur dans cette société. Et donc aujourd'hui, on va parler de quoi ? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la prison. Vous savez de quoi je parle. En fait, quand on est en prison, on est quand même confronté à une misère intellectuelle assez importante. Et ben, mille et une vies, nous, on est convaincus que grâce à la culture, le savoir et la connaissance, c'est quand même et bon moyen. C'est exactement le discours de Jean-Marc. C'est exactement ça. Parce qu'il a plongé dans les livres. Ben, ça tombe très bien. C'est le ouvert. Moi, je vais du coup vous parler d'une association
qui s'occupe en fait d'aider des détenus grâce à la lecture, voire même de pouvoir obtenir des remises de peine si on arrive à faire des fiches de lecture. Ça peut choquer certains, peut-être, qui se disent oh non, on n'a pas le droit. Donc les fiches de lecture pour les obliger à lire. Exactement. Bon, on en parle dans. Solution intéressante. Et Brigitte, Brigitte est dans ma vie depuis 16 ans et demi. Elle me présente régulièrement des gens que vous voyez apparaître à la télévision. Et chaque fois qu'elle me présente quelqu'un, elle me dit tu vas voir, tu vas l'adorer. Comme s'ils étaient tous de sa famille. Et elle se trompe rarement. Et donc Brigitte, on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va parler de lien encore. Parce que c'est notre leitmotiv chez nous, hein, quand même, de parler de lien tout le temps. Alors, je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Catherine Delahougue et qui était juge aux affaires familiales. Et donc, qui rencontrait des enfants qui étaient un peu perdus, et leurs parents aussi, parce qu'ils n'arrivaient pas à les élever et à les éduquer comme on doit le faire. Elle a une idée géniale. Elle a eu l'idée de... Je ne me trouve plus. Merci, la voilà. Tu as du mal, pourtant, il n'y a qu'un seul bouton. Hein. Mais vous n'allez pas me croire, mais chez moi, j'y arrive toute seule. Mais ici, ben, panique à mort. Ben oui. Il y a de ça. Voilà. Alors ça, c'est Catherine. C'est ça que je me moque. Et alors, donc, cette Catherine, elle a eu l'idée. Elle s'est dit comment faire pour rencontrer les gens qui ont perdu confiance en eux, qui sont un peu perdus. Et donc, elle s'est dit, il faut acheter un bus. Les gens ne peuvent pas venir à nous, et ben on va aller vers eux. Et comment aller vers eux? Donc, grâce à ce petit bus, elle a baptisé ça, le Parentibus. Elle Parentibus a... Parentibus. Oh. Oui, Parentibus. D'accord. Parentibus. Pour les parents. Et donc... C'est du latin. Et donc, alors, je vais vous montrer le Parentibus. Alors là, le voilà. Mm-hmm. C'est un bus tout guiré. Et alors, elle fait, alors qu'elle est juge aux affaires familiales, ou c'est au moment où elle arrête sa carrière? Parce que cette brave dame, elle a 70 ans. D'accord. Et la pauvre, elle pourrait être à la retraite, elle pourrait tricoter chez elle, hein, comme toi. Et puis, elle a contacté des éducateurs qui sont devenus bénévoles et qui ont accepté. Et elle a cherché de l'argent, ils ont cherché de l'argent. Donc, elle va se poster où avec ce bus? Alors, elle va se poster... Là, vous la voyez avec une personne qui n'a pas voulu qu'on voit sa tête, mais qui est là. Et elle va se poster près des marchés, près des écoles, près des commerces, dans tous les petits villages. Alors, comme c'est dans la Manche, et c'est pour ça que c'est important, parce que la Manche est un département rural, et donc les gens ont du mal à se déplacer, ils sont isolés, ils ne peuvent pas se déplacer. Et donc, elle va vers eux. Et alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'elle a constaté que les personnes, elle croyait que toutes les personnes allaient venir, après avoir accompagné les enfants à l'école, hop, ils allaient venir dans le bus. Ben non. Ils vont dans le petit village à côté, parce qu'ils ont peur qu'on sache qu'ils sont un peu perdus, qu'ils sont un peu en demande d'aide. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle a découvert que les gens venaient la voir, mais pas dans leur propre village. Voilà. Dans le village d'à côté, comme ça, on ne le savait pas. Voilà. Ils font incognito. Et ça se passe super bien. Donc, les parents viennent pour poser quelles questions? Alors, ils ont des problèmes d'éducation avec les enfants. Ils viennent parler. On ne leur donne pas de conseils, on les écoute simplement. Ils viennent dire leur désarroi, ben, je ne sais pas comment élever mes enfants, je suis un peu perdue. Ou un adolescent qui part un peu en vrille. Voilà, j'arrive pas à trouver ma place de parent, comment faire. Voilà, ils parlent de ça, on les écoute et ça fonctionne incroyablement bien. Réaction, Jean-Marc, spontanément. J'imagine ce que vous allez dire, mais je vais entendre vos mots sur ce genre d'initiative. Bah, sur la dernière initiative, c'est fantastique, c'est un de mes messages aussi. Il faut apprendre à mettre des mots sur ces mots. Pourquoi? Bah, je veux mes camarades entendre la phrase que vous m'avez dit quand on s'est rencontrés. La violence... Et le bruit d'une souffrance qui n'est pas entendue. Donc à partir du moment où elle commence à être entendue, on peut commencer en tout cas à ouvrir, en tout cas en tant qu'éducateur, ouvrir ma valise et en tout cas mettre des choses en place. En sachant que chaque être humain a une histoire différente et qu'il faut chaque fois se remettre en question. Donc d'aller à la rencontre des gens, juste pour les écouter, pour vous, c'est déterminant. C'est pas anecdotique. Ça veut dire qu'ils ne restent pas dans cette espèce d'isolement, quoi. Oui. De s'ouvrir heureux, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. On a un très grand projet, on va réunir les jeunes de la Villeneuve, donc, où il y a eu le drame de Kevin et Sociane et le discours sécuritaire de Sarkozy en 2010. C'est une commune qui était fort stigmatisée, avec une autre commune fort stigmatisée, Molenbeek. C'est une initiative. On le fait dans le cadre des prochaines assises de la jeunesse. Et donc, on va mettre symboliquement, puisque nous avons eu des attentats en Belgique et en France, on va mettre des jeunes d'un quartier en difficulté chez nous en communication avec des jeunes d'un quartier en difficulté français. Et l'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils se rencontrent? Qui découvrent l'autre réalité et qui sont capables de faire des choses. Parce que les éducateurs qui travaillent avec ces gens-là, avec ces jeunes-là, allez. Arrête de te victimiser, t'as un nom étranger, t'as une couleur de peau différente. Il faut se battre. Donc tu vas devenir acteur de ta vie et on va écouter les projets que t'as envie de faire. Alors ils font du rap, ils ont fait chacun des petits films, ils vont à la rencontre des personnes âgées. En fait, ils apprennent à connaître la différence chez l'autre, à être tolérant.
Et chacun a sa vie, il faut respecter l'autre dans sa culture et sa différence. Pour la paix de la communauté, le bien vivre ensemble a du sens. Mais si on reste chacun, c'est pour ça que j'adore votre initiative, chacun chez soi, ça me fait rigoler quand même qu'un village doit aller dans un autre village pour qu'on ne les reconnaisse pas. Mais ça, c'est la honte, vous savez. Et oui, voilà, c'est déjà une première démarche. De ne pas se sentir à la hauteur, c'est incroyable. Il y a une chose importante qu'on dit souvent quand on travaille ensemble avec les jeunes. Vous parliez de déterminisme social tout à l'heure, j'en conviens, c'est peut-être une partie du problème, mais il faut arrêter toujours de se trouver des circonstances atténuantes. Il y a les circonstances de la vie, certains mômes ne sont pas nés dans le bon berceau, comme on dit, mais après, on est chacun maître de son destin et on peut tous faire en sorte que la chose devienne autre par un travail sur soi. La vie d'un ado, c'est souvent un iceberg. Vous avez le dessus et puis il y a toute la partie immergée de l'iceberg qu'on essaye de faire remonter à la surface par les mots, par les dialogues et la communication. Mais encore faut-il pouvoir donner à ces jeunes un espace de discussion. De voir quelque chose. Tant qu'on ne sait pas que Picasso existe, on ne sait pas que c'est beau, quoi. D'où donc, l'importance de l'éducation. Le faire rencontrer dans des musées, voilà. Là. Leur montrer pas mal la de choses. Et l'éducation. Exactement. Et alors, du coup, c'est un bus, parce que je pense que ça va devenir la meilleure amie de Jean-Marc à partir de maintenant. Je voulais vous dire quand même qu'une petite phrase, ça a un tel succès. Il y a eu 1000 écoutes déjà, 1000 personnes qui sont venues depuis septembre 2014. Et ce qu'il y a de fou, on leur dit, quand le bus part, vous emmenez nos soucis avec vous. Je trouve ça trop bien. Et donc, vu le succès, leur but, c'est d'acheter un deuxième bus pour pouvoir circuler encore plus. 1000 personnes, encore une, et ça fait 1000 et 1 vie. Exact. Merci Brigitte. Alors Anaïs, tu nous emmènes à Marseille. Voir cette initiative si particulière. De quoi s'agit-il? Alors, moi, je vais aussi vous parler d'une femme qui a décidé de s'investir auprès des autres et elle s'appelle Marie Morage. Marie Morage est une agricultrice et éleveuse qui a quitté en fait son exploitation des Hautes-Alpes pour reprendre, il y a 2 ans, une ferme pédagogique au cœur des quartiers nord de Marseille. Et donc, dans cette ferme, elle élève des brebis, des chèvres, elle produit du fromage bio. Mais au-delà de cette activité économique, en fait, elle a décidé de développer tout un aspect social qui consiste à transmettre son savoir à des jeunes des quartiers qui ont envie de découvrir un autre univers et d'apprendre un métier. Et donc, voilà, je l'ai suivie dans ses activités et dans ses rencontres. Allez, on regarde les réactions de Jean-Marc qui nous dit que la première chose qu'il a fait quand il est sorti de prison, il a touché un arbre. On en parle dans un instant. J'ai eu une ferme pendant une vingtaine d'années à côté de Briançon, dans les Hautes-Alpes, et j'y élevais des chèvres et je faisais du fromage. J'avais réussi à faire ce que je voulais, mais j'y avais plus de projet. Mes enfants ne voulaient pas y rester, donc j'en suis partie, j'ai vendu pour aller vers d'autres projets. Donc la ferme pédagogique de la Tour des Pins, j'en ai entendu parler par une amie qui m'a dit y a ce projet qui va être en appel d'offres. Tu devrais postuler parce que c'est un endroit extraordinaire. Moi aussi, tu veux un câlin. Mais toi, t'es coquine, hein. Moi, je me suis dit, Marseille, les quartiers nord, une ferme dans la ville. Et quand j'y suis venue, je crois que je suis tombée sous le charme et complètement amoureuse de l'endroit qui est un des plus beaux endroits de Marseille. Bon, ben on va aller faire le fromage. Moi ici, je suis en agriculture biologique. Pour moi, l'agriculture biologique, c'est pas qu'une façon de produire, c'est aussi une façon d'être. Et c'est une façon d'être avec les autres et avec la nature. Et après, c'est super intéressant. Tu fais ça comme si tu remplis. J'avais envie, en arrivant ici, d'être dans ce côté de transmission, parce qu'il faut que les jeunes sachent faire de l'agriculture et de l'agriculture autrement. Et j'ai été très étonnée par cette demande. Ah ouais, non, mais ça, tu fais comme Mika? Non. Non. Ça veut, tu vois, ça, ce bruit-là, tu dois pas l'entendre. Ah, ok. Avec les chèvres, il faut que tu te tiennes droit. Droit, hein, droit, ouais. Les épaules en arrière, tu vois? Ok, je vais faire comme ça. C'est bon comme ça. Si tu veux devenir un beau vieillard bien droit, tu vois.
droit comme un arbre. C'est gentil. Allez, va, bon courage la journée. Mehdi, c'est un garçon du quartier qui a 14 ans. Et donc, un jour, il est arrivé. Je me disais, mais c'est quoi ce petit garçon qui vient? Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait une vraie passion pour les animaux. Et toi, pourquoi tu les aimes bien, les chèvres? Ben, je sais pas, j'aime bien. Un coup de foudre. Un coup de foudre? Ouais, pourquoi? C'est bien, une chèvre, c'est pas terrible. Parce que c'est affectueux, c'est beau. Et puis c'est apaisant hein, quand on est avec les animaux. Hein. Hein, c'est calme. Ça décompresse. C'est un gamin qui aurait pu un peu mal tourner dans le quartier parce que je pense qu'il était prêt à basculer, Mehdi, c'était clair quoi. Et donc il y a eu un moment où il n'est plus venu. Et puis là il revient et je pense qu'il a compris qu'il avait sa place ici. Et moi je faisais agriculture. Quand on aime notre travail, c'est bien. Ça change de quartier. Ça change de quartier? Oui. Des bâtiments, que des bâtiments, bâtiments. Là, après presque 2 ans que je suis ici, c'est vrai que de voir tous ces jeunes qui ont des projets, c'est très valorisant. C'est vraiment une vraie reconnaissance de ce que j'ai entrepris. Réaction. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que personnellement, j'ai vécu ça en Afrique. On avait créé des chantiers agricoles de jeunesse pour essayer de mettre les jeunes congolais au travail dans l'agriculture, en leur donnant des cours basiques, vraiment un minimum savoir lire et écrire, mais surtout alors les aider à s'installer dans des paysannats. On a commencé ces projets avant l'indépendance du Congo en 60, et on a eu des villages qui se sont installés, qui se sont créés. Malheureusement, après quelques années, avec les événements d'Afrique, tout ça est tombé, mais... La formule était certainement excellente. Démarrer 20 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt, mais c'est une des seules formules encore en Afrique. D'ailleurs, je vais encore régulièrement au Congo, même au Congo à Kinshasa, où il y a une école où on aide les jeunes aussi à l'agriculture. Il y a des cours généraux et un peu de maraîcher. Quoi. Votre réaction spontanée? Ma réaction, il y a différents programmes de par le monde comme celui-là et j'ai le souvenir d'un programme en Italie qui s'appelle le programme Al Capone Factory et c'est en région de Naples. Il a été proposé à des détenus qui ont tous pris perpète ou des lourdes peines et on leur propose de travailler la journée dans un élevage de cailles. Et puis les œufs de cailles et les cailles sont vendus dans les alentours sur un pourtour de 20 à 30 kilomètres avec la tête d'Al Capone sur les boîtes d'œufs. Oui, ça c'est pour la petite anecdote. Mais on s'est rendu compte en fait que le contact animal radoucit ces caïds, ces malabars qui ont tué, qui ont braqué, qui ont perdu le lien affectif. Et on commence avec les cailles et puis on leur propose de travailler dans des fermes. Et cette restauration avec le lien animal les restaure avec eux-mêmes en fait. Et alors, Jean-Marc, tout à l'heure vous m'avez parlé de votre perruche qui avait une importance très très importante pendant ces années d'emprisonnement et puis de toucher un arbre. Et donc, vous comprenez ce qu'on vient de voir? Ben, j'ai fait une formation d'horticulture en prison, donc je me disais à quoi ça allait me servir. Bon, ben, je prenais tout ce qu'il y avait à apprendre. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'après ma libération, quand parfois je galérais, ben, un des premiers boulots que je pouvais aller faire, c'était faire des jardins. Et heureusement que j'ai eu ma formation d'agriculture, ça me permettait de faire des beaux jardins. Mais j'ai juste envie de répondre qu'en Belgique, il existe depuis 2002 ce qu'on appelle chez nous des SER, des séjours éducatifs de rupture. J'adore ces initiatives, donc on prend des jeunes qu'on prépare pendant un mois en Belgique et on les envoie pendant 3 mois tout seul en tant que Belge dans un village africain, au Bénin. Soit dans un village de pêcheurs, de chasseurs, où on apprend à faire du sel. Et on leur offre, parce que c'est ça qu'il faut offrir aux jeunes, une différente palette diversifiée, la maçonnerie, la menuiserie. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'ils sont doués pour certaines choses. L'éducateur qui va le suivre au jour le jour dit « Mais tu sais quoi? T'as un don. Tu sais, ton don. » Donc ils sont valorisés, ça. Mais ça veut dire que quand tu vas revenir en Belgique, on peut te trouver une école, effectivement, parce que le don, il est bien, mais les savoir-être, les savoir-faire, pour que tu puisses t'en sortir dans un métier comme ça, c'est magnifique. Et je trouve ça, des idées comme ça, tout à fait excellentes. En fait. Mais le fait d'être en contact avec l'animal, avec la nature... Guy Gilbert fait ça à la Fauconnerie, par exemple. Je pense que les animaux, parfois, peuvent vraiment calmer des gens violents. Je parlais tantôt de l'hypothérapie que j'ai pu faire à Marnef avec les chevaux. On va pas faire le malin face à un cheval, hein. Il est quand même plus impressionnant que nous. Donc ça veut dire qu'on va apprendre à l'aimer. Ça veut dire, finalement, de nouveau, on en revient, on va apprendre à le connaître. Ce qui est bien pour lui, ce qu'il n'aime pas. Voilà.
Et moi, je pense que la première forme d'hypothérapie que j'ai eue, c'est avec cette petite perruche que j'appelais Blue en isolement. Voilà. Et puis ça vous responsabilise. Aux États-Unis, par exemple, certaines prisons proposent aux détenus de dresser pendant un an dans leur cellule un chien qui sera destiné à un chien pour un aveugle. Donc en plus, non seulement ils travaillent avec ce contact animal, mais ils savent qu'ils sont en train de travailler pour donner ce chien au bout d'un an. Voilà. C'est excellent. Ils transmettent, en fait. Se sentir utile, quoi. Et toi, dans cette ferme, donc, au milieu des immeubles, qu'est-ce que tu as ressenti au contact de ceux qui sont là, les bénéficiaires aussi? C'est un lieu qui est vraiment génial, parce que c'est vrai qu'au loin, on voit les immeubles, la cité. Et là, on a ce havre de paix. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé pendant ce reportage, c'est que c'est Marie, en fait, elle a une passion et une patience extraordinaire. Et on voit qu'elle aime partager, qu'elle aime transmettre. Et ce que je trouve important aussi, c'est que ce qu'elle permet à Mehdi, c'est d'imaginer une autre vie. Ce qu'elle l'aide à faire, c'est à prendre conscience qu'il peut penser et exister autrement et qu'il n'est pas conditionné à rester dans une case parce qu'il vient des quartiers nord de Marseille. Voilà. Elle est géniale, cette Marie. Oui. Mais Marie est géniale. Anaïs est géniale. Anaïs, bien sûr. Et Luc est formidable. Alors, Luc. Oui. Donc effectivement, Jean-Marc l'a dit, il a beaucoup lu en prison. Il cite les auteurs comme Fabrice Luchini. Ah oui. Ça ne rend même pas compte. Voilà, il a des citations toutes les 4 secondes. Et effectivement, c'est quelque chose qui l'a sauvé, c'est ce que vous nous avez dit. Et donc, toi, tu vas nous parler d'une initiative de gens qui sont convaincus de la même chose. Ouais, moi, ça m'a bluffé. Parce qu'en fait, en France, il faut savoir, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais j'imagine que c'est similaire. En France, un tiers des détenus ont de graves problèmes scolaires. Ils n'ont pas été très loin, ils ont été un échec scolaire. Un détenu sur 5 a des grosses difficultés à la lecture, d'accord ? Et un détenu sur 10 ne parle tout simplement pas français, ou alors de façon très 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 rudimentaire. Et quelque part, le crime qu'ils ont commis, ou le délit, en fait, ben c'est un crime lié à l'inculture, à la haine de l'autre, à une éducation où on ne s'est pas vraiment occupé d'eux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est un avocat qui s'appelle Xavier Duval-Sala, d'accord ? Et lui, il est aussi écrivain, et il est aussi président de l'association Lire pour en sortir. L'association Lire pour en sortir, en fait, c'est une association qui est parrainée avec le Secours catholique, qui est très présent en France au niveau des prisons. C'est eux qui ont le plus de bénévoles qui œuvrent auprès des détenus en France. Hein. Et en fait, ils ont réussi à faire modifier le code de procédure pénale en 2014. Ça fait bouger la justice, déjà, ça s'applaudit. Ben ouais. Alors, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont réussi à faire en sorte que si des détenus lisent des livres, font des fiches de lecture sur ces livres, eh bien, on peut leur octroyer des remises de peine. Vous connaissiez, je crois, cette initiative qui vient du Brésil. Ben, voilà, c'est une initiative brésilienne qui date de 2010. Oui. Exactement, oui, oui. Exactement. Reembolso par elle, je ne sais pas, je ne parle pas portugais, qui voulait dire remboursement de sa dette par les livres. Donc ça veut dire que ça a fait déjà ses preuves, c'est ça que vous dites? Oui, ça a fait ses preuves. Et vous savez, déjà à l'époque, Victor Hugo disait qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison. L'école du savoir, l'école de la connaissance. Vos chiffres, à mon avis, sont encore pires chez nous en Belgique, parce que nous, on a 90% de personnes qui ne savent quasiment ni lire ni écrire ou qui n'ont pas fait d'études en prison. L'initiative est belle, mais encore faut-il que les bibliothèques pénitentiaires soient bien achalandées. Alors justement, ce qui n'est pas le cas justement, pour l'instant. En tout cas, chez nous, en France, grâce à cette association, on est en train de constituer des fonds de livres. On est en train de... Les livres, on les donne aux détenus. Qu'est-ce qu'on fait? On réédite des livres, parfois même en plus gros, parce que dans les cellules, il n'y a pas assez de lumière pour pouvoir lire. Et donc, on leur offre des livres à des détenus qui, pour beaucoup, n'en avaient pas lu beaucoup jusqu'à présent. Il y a des niveaux de lecture. Certains, ça va être des BD, des choses beaucoup plus simples. Et on va aller de plus en plus loin avec des gradations dans le niveau de lecture. Et moi, je trouve que c'est une initiative qui est vraiment intéressante. Et pour compléter, si je peux me permettre, et c'est une initiative française aussi du sud de la France, mais je ne sais plus exactement, je crois que c'est du côté de Nice. Mm-hmm. Il est important aussi de garder le lien entre les enfants et le papa mm-hmm. incarcéré, mm-hmm. qui doit encore jouer son rôle de père. Mm-hmm. Donc, il y a un programme pilote pour l'instant
les bibliothèques municipales ont des livres, ont fait en sorte que dans la prison, le papa ait le même bouquin. Ah, et l'enfant se connecte par un système de vidéoconférence. Il va avec sa maman dans la bibliothèque municipale et c'est papa qui lui raconte l'histoire du soir, qui fait la lecture, qui fait les devoirs. Super, voilà. Je ne connaissais pas. La créativité au service des fléaux de notre société. Voilà. Ben je oui, retiens ben de cette ben histoire. Oui. Et donc sur la lecture, les fiches de lecture, c'est pour être convaincu que les gens ont lu le livre. Et bien sûr, parce qu'après... Oui. Et donc la motivation extrême, c'est la remise de peine. Formidable. Oui, certaines remises de peine, bien sûr. Alors, c'est à l'appréciation du juge d'application des peines qui lit les fiches de lecture, qui vérifie l'investissement de chacun des détenus, mais des personnes qui ont eu des peines assez courtes, parce qu'en France, il y en a beaucoup, les prisons sont engorgées de gens qui ont des courtes peines, ils peuvent bénéficier de 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours de remise de peine, et pour des peines qui sont beaucoup plus longues, ça a pu aller jusqu'à 2 mois de remise de peine. Non, Jean-Marc, parce que effectivement, nous, on trouve cette initiative extrêmement séduisante. Mais alors vous l'avez vécu de l'intérieur, et donc j'aimerais que vous expliquiez à quel point lire, parce que je pense à André Braïc, un astrophysicien qui nous a quitté cette année, qui disait le savoir est le meilleur rempart contre la violence. Vous êtes intimement convaincu de ça. Mais c'est pas une théorie, c'est pas un concept. Non. Expliquez-nous de l'intérieur en quoi lire un livre permet effectivement d'être différent. Parce que, vous savez, je vais peut-être une fois aller jouer un homme debout en prison. Et je m'étais dit au départ, mais pourquoi aller jouer un homme debout en prison? Les détenus, on va leur dire activité, tu sors de tes 9 mètres carrés pour aller voir un gars qui joue pendant 1h15 dans 9 mètres carrés. Mais j'ai juste envie de leur dire qu'est-ce qui m'a permis de m'en sortir. D'abord, c'était la radio dont je vous ai expliqué, Eve et Macha. Eve, c'est Eve Ruggieri, l'entendait les noms en découvrant les visages des années plus tard. Mais après, ce sont les livres. Qu'est-ce qui m'a permis d'écrire? Avant, c'est d'abord de les lire. Et puis ensuite, avec ces expériences-là, de sortir de ma petite vie, de ma victimisation, de me dire, mais ces gens-là, ils ont été encore plus bas que moi. C'est pas une question en termes de souffrance qui est importante, mais qu'est-ce qu'ils en ont retiré, eux? Mais moi, je savais lire et écrire, ce qui n'est pas le cas de nombreux détenus. Alors, c'est vrai que c'est génial, mais avant tout, il faudrait peut-être faire des cours d'alphabétisation aussi. Bien sûr. Pour leur apprendre. Ouais. Donc, je pense que si vous vous servez de ce temps perdu pour vous nourrir et de sortir... meilleur que vous êtes rentré, en fait, pas avec un diplôme. Pour donner un sens à la peine. Voilà. Mais c'est ça, exactement. Parce que par les livres, d'après les témoignages que moi j'ai pu avoir justement sur cette expérience-là, par exemple, avec un détenu, on lui a fait lire le journal d'Anne Frank. Mais le détenu, il prend conscience que, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Cette jeune fille, elle était dans son grenier, elle a rien. Moi, j'ai fait une connerie pour être là. Elle a rien de... Mais qu'est-ce que je fous là? Le Candide de Voltaire, où il faut cultiver son jardin à la fin du livre. Un détenu a dit, eh bien, mais moi, ma femme et mes enfants sont dans le jardin de la maison familiale. Il faut que j'aille m'occuper d'eux. Il faut que je sorte de là. On prend conscience qu'il y a une autre vie possible que cette fatalité. Cette initiative que nous, on trouve formidable parce qu'elle a été remarquée. Alors, cette initiative, en fait, elle a été remarquée par le prix La France s'engage, qui est un prix qu'on donne par le chef de l'État en personne, qui en fait valorise les initiatives innovantes qui font du bien à la société. Aujourd'hui, 650 détenus en France sont passés par ce programme. La récidive nationale, c'est 30% de détenus en France, avec ce programme, 2%. Et précisément, beaucoup de prisons sont concernées par... Aujourd'hui, 5 prisons sont concernées par ce programme. D'ici la fin de l'année, il y en aura 11, et d'ici 2020, on espère qu'il y en ait 50. Wow. Bon, voilà. S'il y a d'autres initiatives dans le même genre, dans le même esprit, si vous connaissez des amis à vous qui ont des idées formidables, sur le site des Mille et Une Vies, n'hésitez pas à nous l'indiquer, on les mettra dans la liste. Hein, vous en connaissez plein. Avec plaisir. Vraiment, c'est super, super chouette. Ça va. Merci les camarades. Merci. Merci aux amis de Jean-Marc. Merci de nous avoir invités. Et puis Jean-Marc, le message est passé. Hein. Il est passé. Je veux qu'on redise une dernière fois cette phrase. La violence est le bruit d'une souffrance qui n'est pas entendue. Voilà, on va méditer là-dessus. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Et j'aimerais terminer par cette phrase d'un poète qui disait « Ne pas partager est une perte de temps. » Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, demain, vous serez ému par le témoignage d'Anne Personne. Victime d'agressions sexuelles durant son enfance, Anne va devoir se battre contre une violence qu'elle avait enfouie au plus profond d'elle-même et qui la conduira aux portes de la mort. Une rage qu'elle a aujourd'hui réussi à dompter et à apprivoiser. J'ai ce désir d'enfant, j'ai envie et en même temps, j'ai très peur. Dans ma tête, il se passe, c'est le chaos. Beaucoup d'angoisse, des idées suicidaires, l'impression d'être folle. D'un seul coup, j'ai des images qui me reviennent à la surface et je me souviens. J'ai été victime d'attouchements sexuels. Malgré toutes ces souffrances, on peut s'en sortir, on peut établir une belle relation avec son enfant.